Et salut tout le monde, c'est M, j'espère que vous allez bien parce qu'en tout cas moi ça nickel. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du Let's Play sur Inazuma Eleven Striker. On va bien s'amuser les amis. Aujourd'hui on doit faire le mondial d'Inazuma Eleven. Je pense qu'on va essayer de recruter un joueur et ensuite on va faire un match. Ce sera soit de Valine soit Nero parce que je pense qu'il nous faut un gardien en priorité. Après on recrutera des joueurs mais d'abord on va quand même faire des matchs je pense. On va recruter de Valine. Il me chauffe bien de Valine. Du coup faut virer quelqu'un. Je pense que le choix il va pas être trop difficile en vrai. Je pense que trouver l'intrus c'est pas compliqué. Jim ça dégage. Alors né au Japon en premier match. Ce sont des vrais génies du football, ne les laissons pas prendre notre place en finale. Ok bon bah allons-y. Aujourd'hui je pense qu'on va faire toute la partie mondiale. Tout dépend de si elle est trop longue ou pas. Dites-moi ça, il y a qui à affronter dans la partie mondiale. Oh la musique du mondial, ça fait plaisir. Alors Gazelle tu fais une passe à Sean. Mais le match va de commencer, pourquoi il dit ça lui? Bon les gars je vais tenter des bons moves hein. Je vais tenter de pas perdre la balle rapidement. Mais pourquoi il centre? Je vais tenter de pas perdre la balle rapidement. Ça c'est un truc que je comprends pas dans le jeu pour l'instant. Faudra que je m'habitue. Putain mais Jack, il a des paroles mon gars mais c'est n'importe quoi. Oula, oula. Marc c'est pas le bon sens ici hein. À des simples tirs tu épuises quand même le gardien. Oula, oula, oula. Monsieur King, excuse-nous. Bon allez Axel. Mais avance on t'a dit. Allez faut que ça passe. Ok ça passe 1-0 pour nous. C'était chaud. Mettre Valide dans l'équipe de en gardien. Il est meilleur que Marc. Attendez. D'accord ok il va y avoir un changement. C'est bon. Normalement je crois que j'attends les prochains arrêts de jeu. On fera rentrer Valine. On verra ce qu'il vaut. King est 10 fois plus fort que Marc. Ah que le Marc que j'ai actuellement. Ouais sûrement il y a pas de mal en même temps. Voilà charcle-le. Il vient de faire tomber un 6 tonnes tu sais. Oh, oh la reprise qu'il t'a fait. Ils sont bien plus forts que les Zeus hein. Les Zeus c'était du gâteau à côté. Oh Giulio, je suis sûr il peut marquer. Allez Giulio. Allez on tente de loin je m'en fous. C'est Giulio quand même hein. Je vous jure celui là, ça a jamais été arrêté depuis le début. A chaque fois que j'ai tiré avec Giulio c'est passé. Zeus c'était du gâteau à la fraise ou au chocolat. Mais c'était même pas un gâteau. C'était un pancake le truc. Vraiment. Putain par contre il est... Ah première fois ils arrêtent. Ok bien joué. Ça se voit que le niveau augmente hein. J'ai quand même la possession, on va faire un changement. Alerte Valine, l'entrée du nouveau gardien. On verra de ce qu'il est capable de faire. Sinon on va rester comme ça. Ah oui la dernière fois j'ai changé ma formation pour ceux qui n'ont pas vu. J'ai mis une formation à 3 attaquants. Je trouve ça beaucoup mieux. Bon allez c'est reparti. Ouh c'est chaud. Attends c'est normal que ce mec il ait la voix de Mark Evans. What? T'es qui toi en fait? Bon allez frénésie avec torche je pense je vais la faire. Mais putain mais j'appuie sur frénésie. Ah, falloir vraiment que je commence à comprendre ce jeu parce que c'est pas possible. Et Jack, tac. Voilà, c'est ça. Montre-lui, c'est qui le patron de la défense. Bon, allez, frénésie. Alors, je vais déchirer, hein, je vous le dis. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas faire contre éruption solaire? What? Alors, mais il est vraiment chaud, King. Hein. Attends, faut pas qu'il tire, faut pas qu'il marque un but là. Putain, il tire. Aïe, ça va être chaud. Hein. Savoir suprême, aïe, aïe, aïe. Ah, par contre, paye ta voix. Hein. Technique niveau 3, perceuse V2. Allez, faut qu'on l'arrête. Allez Valine. Ok ça tire de loin heureusement. Mark Evans je pense qu'il serait pris le but hein. Je pense que Mark Evans du 1 c'était mort. Putain mais ils sont partout sur le terrain. Je crois que je suis pas bien tactiquement. Je sais pas là. Tu sais c'est un peu l'excuse du perdant. Mais je suis pas bien tactiquement. Vraiment là je sais pas pourquoi. Oh mais c'est pas possible. Je suis nul. Oh je sais quoi je vais. Axel c'est toi le. Oh putain. Les tacles. Oh Jack. Il est passé à travers. Ouais viens par ici mais vous avez pas de technique combinée donc ça sert un petit peu à rien. Allez. Putain mais ce tac mon dieu. Putain là c'est pas possible. Je mets que 1-0 les autres équipes ça va être n'importe quoi hein. Allez faut que ça passe Axel. 2-0 quand même. Allez faut que ça passe. Yes ça passe les gars. Tu vas affronter Inazuma Japon. On va essayer de les affronter après si on peut. Mais on changera de maillot aussi et on recrutera un peu. Allez tiens dans ta gueule. Bon je pense qu'on va mettre 2-0. On va s'arrêter là parce que après ils sont trop forts, enfin j'arrive pas à marquer. Bon bah yes les amis, on vient de gagner le premier match du Football Frontier contre Neo Japon. Ça promet du bien pour la suite. On a gagné difficilement quand même hein. Regardez tous ces points qu'on a. Regardez tous les points Inazuma qu'on a. Steve, change-le, il est nul. J'ai pas laissé très longtemps, ne vous inquiétez pas. Mais c'était pour son daron, pour l'arbitre, pour qu'il soit avec nous. Jolie prestation mais n'oublions pas que le plus dur reste à venir. C'est un rabat-joie elle. C'est quoi cette équipe qu'il y a après?
Sélection mondiale. Oula, oula, le niveau augmente. Alors là, on va recruter un petit dernier joueur pour remplacer un milieu de terrain pour remplacer Steve. Quadmire, hein. Quadmire, c'est un milieu normalement. Je le recrute, allez. Voilà, l'arbitre, je vous le dis, il va plus être avec nous, il va rager. Hein. Alors, voilà Quadmire. Et on va recruter King aussi. Il coûte un peu cher quand même, mais bon. Je lève Mark Evans du 1, désolé, tu n'as pas le niveau. T'es pas assez pris de pneus dans la gueule, Marc. Oui, affronte les. Ouais, ok, bon, vous êtes chaud, les gars. On va affronter Inazuma Japon, du coup. Je sais pas s'ils vont être trop forts, hein. J'espère pas. Ok, ils sont là. Comme ça, on pourra recruter des joueurs d'Inazuma Japon. On va se faire plaisir. T'as oublié les maillots MDR. Ah merde. On va changer de maillot. On fera le match après. Oula, c'est super cher, oh. On va pouvoir en acheter qu'un seul, hein. Je pense que je vais prendre Inazuma Japon pour le style. Ça nous rappellera la saison 3 comme ça. Putain, non, mais c'est celui qui coûte le plus cher. Non, mais le prix, mais c'est abusé. Bon, tu sais quoi, les amis, je pense qu'il y aura d'autres maillots après. On n'achète pas maintenant. Oui, on va pas acheter maintenant. J'étais pas prêt pour le prix. Moi, je pensais que ça allait être gratuit, tu vois. On affronte l'équipe, on gagne son maillot. Enfin, comme dans Inazuma Eleven. Mais non. Ici, ils ont décidé de te faire cracher ta thune. Ça va pas se passer comme ça. On va garder de Valina en titulaire, du coup. Il y a Quadmire qu'on pourra tester aussi. On va le tester, je pense, dans ce match. Et c'est le coup d'envoi, c'est parti. Souhaitez-moi bonne chance dans le chat, les amis. C'est parti. Un match d'anthologie, il a dit. Hein. On va leur montrer. C'est nous la vraie sélection. Attention, il y a des joueurs qu'il faut se méfier quand même. Hein. Xavier Foster va falloir se méfier avec son Big Bang. Ok, on fait tourner. On est le Barça. Jude contre Jude. Allez, Axel, tempête de feu. Tempête de feu. Est-ce que ça a passé contre Mark Evans et Azuma Eleven 3? Il y a quoi comme technique? Ah oh, ouais. La main dimensionnelle. Non, ça va jamais passer. Oh, bah, bien sûr. Putain. Bon, va falloir que j'arrive à trouver la faille. Hein. Allez, éruption solaire. On va voir si ça passe. Après, on recrute Axel V3. Exactement. On a eu Axel V1, Axel V2, et on va avoir Axel V3. Oui. Oh oui. Mauvais choix technique de la part de Mark Evans. But de Torch qui perce la défense de Inazuma Japon. Bien joué, Torch. T'as Austin, oh, il vole comme une feuille. Oh. Ouh là là, à bout portant. Vous avez vu sa tête? Il va se prendre la balle dans la gueule. Putain, attention à lui. Ah, bâtard. Je sais pas s'il a marqué, hein. Il y a moyen. Xavier, il est trop chaud. Ouais, je compte le recruter aussi. Hein. Surtout s'il a Big Bang. Une des meilleures techniques. De toute façon, il doit avoir frappe stellaire ou un truc comme ça, c'est déjà assez ouf. Hein. Non, là c'est but. Ah, là c'est but. Je pense qu'il va nous défoncer. Je pense qu'on se prend un but. Frappe stellaire. Le bâtard. Ah mais là je pense que c'est terminé là. Ah là je pense il nous envoie la galaxie dans la gueule. On a plus de pété en plus. Voilà, trou de verre, c'est terminé. Allez Valine. Allez, montre-nous que j'ai bien fait de te recruter. Allez. Savoir suprême. Allez, faut que ça passe. Ah, il l'arrête, main dimensionnelle, surcheaté, hein. Surcheaté, abusé. Bon, je vais faire rentrer Byron en deuxième mi-temps. Je vais le faire rentrer parce que c'est compliqué. Quadmire, tu vas sortir. Désolé pour toi. Si jamais j'ai trop de mal, je mettrai une formation offensive en fin de match. Si jamais j'ai trop de mal. Vous savez, la formation 5 attaquants que j'avais fait là. Bon, allez, c'est parti. Allez, Torch, tu peux le faire. C'est lui qui a marqué en première mi-temps, je crois. Il peut peut-être marquer un doublé. Allez, Torch. Oh, si tu fais ça, si tu marques un doublé, t'es la star de l'équipe. Pour ce match en tout cas. Aïe, ça va être compliqué. On a bout portant. Ah, putain. Ce goal, mon dieu. Mais elle sort d'où elle? Ah oui, c'est vrai que c'est notre coach. Aujourd'hui, les matchs ils sont chauds. Hein. Faut absolument pas que je les laisse tirer, ne serait-ce qu'une seule fois. Je pense que je vais faire une formation à 5 attaquants. Ok, prochain arrêt, je fais une formation à 5 attaquants parce que ça va être compliqué sinon. Putain, j'ai plus de pété déjà, c'est pas possible. Ok, putain, je veux pas que ça soit mon premier game over là. Putain, Byron, mais pourquoi ces techniques s'enlèvent? Je vous jure, faut que j'arrive à charger sa barre de points, mais je sais pas comment. Tacle-le! Tacle-le, bas. Oh putain! Et même, dis-toi qu'il y a pire après. Ouais, c'est ça. Ça le pire. Allez, faut que j'arrive à faire au moins une fois un tir avec Byron, quoi, pour voir ce qu'il vaut. Allez, Byron, mais monte un peu. Qu'est-ce qu'il faut en défense, ce con? Ouais, c'est quoi? Il se casse les couilles, Byron. Faut que Byron nous sauve. Oui, Byron love le sauveur. Il va l'arrêter. Qu'est-ce que tu veux faire pour main dimensionnelle, sérieux? Ah, prendre la colère. Allez, peut-être ça peut passer. Oui, oh! Oh, Gazelle le sauveur! Oh, bien joué, Gazelle. Je pensais pas aller marquer. Hein. C'est Gazelle qui nous aura sauvé finalement. Bah, tu sais quoi, je vais rester dans cette formation en fait. Hein. On va stalker. Gazelle a marqué et Torch aussi. La concurrence des attaquants. Enfin, c'est pas le premier art défaite pour l'instant. Hein. À mon avis, sur ce jeu, il y en aura une. C'est obligé, il y en aura une. Il y aura des équipes où je vais perdre, c'est obligé. Allez, Torch. Oh là là, mais Jack, c'est Messi, c'est Ronaldo, c'est pas possible. Oh! Quand même. Bon, là, on l'a épuisé, Mark Evans en face quand même. Hein. Putain, si on se prend un but là, c'est dégueulasse. Non! Ok, ça les tire de loin. Heureusement. Allez, faut qu'il siffle après. Faut qu'il siffle. Ce serait notre match le plus dur. Ça aurait été notre match le plus dur. Allez, siffle, l'arbitre.
Voilà, je dégage loin devant. Voilà. Fouh. C'était dur, les amis, hein. Ouais, d'une ouais, intensité phénoménale, là. Gazellator, c'est les sauveurs, hein. Aïe, aïe, aïe. Les sauveurs, les deux, vraiment, qui sauvent l'équipe plusieurs fois. Franchement, je pensais pas que ça allait être eux à chaque fois, mais bravo. Ok, vous pouvez dire... Voilà, les joueurs d'Inazuma Japon. Parfait. Percival très vite. Oula, 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 je le mets direct, hein. Pour ceux qui savent, c'est mon coach préféré. Je le mets, hein, désolé. Alors, les gars, on a pas mal de joueurs à recruter. On a les joueurs d'Inazuma Japon maintenant. On va recruter déjà Mark Evans, hein. Il a l'air, il est vraiment chaud. Axel, on recrute. Et Xavier aussi. Jude, ah oui, Jude, faut le prendre aussi. Oh là, on a pratiquement plus de points. Alors, on va enlever King, malheureusement, parce qu'il a pas sa technique pour l'instant. Et je vais mettre Mark Evans. Ensuite, je vais mettre Jude à la place du Jude bah, qu'on a, tout simplement. Je vais mettre Axel à la place du Axel qu'on a. Et je vais mettre Xavier à la place de Kevin. Voilà, choisir soutien. Alors, on va mettre Travis. Voilà, le boss. On va recruter Sean. De toute façon, il peut jouer en attaque, c'est un joueur polyvalent. Donc, peut-être Sean aussi. Nathan le recrutera aussi, ne vous inquiétez pas. Mais on va choisir Sean. Bon, bah, on a plus de points, on est ruiné. Bon, allez, on commence, ça va être le dernier match. Le dernier match pour aujourd'hui, les amis. Ça va être contre la sélection mondiale. Est-ce que ça va être la première défaite? Je pense que oui. Parce que s'ils ont Hector au goal, je pense que c'est la première défaite. Hein. Bon, allez, les amis, c'est parti. Merde, ils jouent. Tu fais une passe comme ça, toi. Putain, j'ai même pas vu leur formation. Ils ont Robingo. Ouais, ils ont des bons joueurs, hein. Ils ont des très très bons joueurs. Oh, Paolo, on vient de le tarcler. Pauvre Paolo. On vient de le défoncer. Oh, ils ont Hector, bordel. Ça va être compliqué, hein. Oh là 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 là. Tellement stylé. Tellement stylé. Oh, putain, il a trop la classe. Attention à Paolo. Pas de première défaite pour nous, attention. Putain. D'où il passe comme ça? Xavier est débarqué, j'ai remarqué. Allez Xavier, est-ce que Xavier peut percer la défense d'Hector comme dans l'animé? Ça serait beau, ça serait beau. Achète Hector après. Ah mais c'est un excellent joueur aussi, hein. Je pense que c'est un des meilleurs goals du jeu. Voilà, là t'as commencé à devenir sérieux. Oh, il l'arrête. C'est quoi cette équipe? Mais c'est un niveau hors du commun. Regarde, il a déjà plus de pété. Ah, j'avais pas capté ça. Cool, ça veut dire que si on retire, on pourra peut-être marquer. Allez, faut essayer de retirer. On va activer peut-être notre... Ah, faut faire la passe à Axel. Oh non, il l'a fait pendant que la balle était en l'air, ce bâtard. Par contre, sa voix, Thiago Torres, ça ne va pas du tout. Je vais porter plainte, là. Byron, c'est à toi. À toi de jouer, Byron. Allez, Byron, à toi de jouer. Est-ce qu'il peut marquer? Oh, mince, les six. Il avait plus pété pour main de l'âme. Oui, ça passe. Ça passe contre Hector. Premier but. Attention, hein, faut pas qu'on les laisse tirer. Ils peuvent marquer. Heureusement qu'on a recruté des joueurs. Hein. Si j'avais pas fait le match contre Inazuma Japon, je pense que je perdais. Hein. Encore, c'est même pas fini. Donc, on verra. Dommage, Jude, il a pas de technique défensive. C'est vraiment son gros défaut dans les jeux Inazuma Eleven. Oh non. Grand fait de rire, c'est ça? Ah, tir de la licorne. Ok. Point de la colère, je pense que ça suffit. C'est un tir de loin. En toute logique, Mark Evans c'était fort. Je devrais l'arrêter. Bien joué, Marc. Bien joué, Marc. Par contre, j'ai remarqué, il a pas l'arrêt céleste. Est-ce qu'il va la prendre? Je sais pas. Allez, on va passer sur un tourbillon de feu. Non! Putain, il y a l'autre là, Khalil. Je crois qu'il s'appelle comme ça. Allez, est-ce qu'il peut. Axel peut marquer avec le tourbillon de feu. Ça passe, ça passe. Ok. 2-0. Hector qui est bon, mais qui perd des pt. C'est très bien. Oh, l'Excalibur! Oh, l'Excalibur! Ah non, attaque du paladin, heureusement! Parce que s'ils sont fidèles à l'animé, ce que je veux dire, sa technique augmente plus la distance est grande. Est-ce que c'est pareil dans ce jeu? Je ne sais pas. Allez, bien joué, Marc. Tu es chaud, comme d'hab. Pour l'instant, un petit peu déçu de la sélection mondiale. Je m'attendais un peu plus dur, mais on a recruté des joueurs aussi. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est un peu meilleur. Allez, on tente une petite technique avec torche. Est-ce qu'il peut marquer? Je ne sais pas. Oh! Il vient de me casser mon délire, ce bâtard. Bon, c'est pas grave. Mon 2-0. Nous, on va peut-être faire un changement. On va peut-être sortir Torche. On va mettre Aphrodite en attaque. Et on va mettre Quadmire au milieu. Voilà. Inazuma Girl. Apparemment, tout le monde me dit Inazuma Girl, c'est super cheaté, etc. Pourtant, l'équipe ne vend pas du rêve. Hein. Enfin, tu vois Nelly sur un terrain de foot. Moi, ça me vend pas du rêve, quoi. Mais pourquoi tu... Oh, vous savez ce que j'ai fait? C'est du baby foot là. Oula, Robingo, attention. Attention à Robingo, bordel. Ah, putain, il avance comme dans du gruyère, oh. Ah, ce qui va marquer là.
Allez, marque pas dimensionnel. Waouh. Robinho qui marque pour la sélection mondiale. Samba, ok, si tu veux. Ok, 2-1. Putain, les matchs aujourd'hui sont serrés, hein. Allez, est-ce qu'on peut marquer quand même? Ah, putain, Thiago Torres. Sans prévenir, il débarque celui-là. Jude, pour l'instant, je vois pas trop son amélioration par rapport à celui de Inazuma Eleven 1 qu'on avait. Regardez, je vais lui faire la passe. Je sais pas, il a trop quoi en plus comme technique. Faudra qu'on recrute Caleb, hein. Putain, mais ce jeu, mais c'est un défouloir, hein, vraiment. Tu veux te défouler, t'as Inazuma Eleven Striker, c'est parfait. Paolo, il a pas existé du match, le pauvre. Devinez quel perso Rem va acheter après le match. Je dirais Paolo. Je pense que t'as une bonne intuition. Attention à Paolo, attention. Ok, ça va. Il voulait faire la passe à son pote Marc. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, putain. Heureusement qu'on n'est pas sur FIFA, hein. Heureusement, je me serais pris un but, là. Ah oui, forcément, main de l'âme. Alors lui, il nous le faut, Hector, hein. Je pense qu'il est meilleur que Marc, je sais pas ce que vous en pensez. Je pense que ça va se terminer sur 2-1, hein. J'ai pas réussi à mettre plus de buts. C'est affligeant, ouais, comme le dit Jude. Voilà, fin du match, les amis. Je me suis fait peur un peu parce qu'ils étaient pas trop mal quand même. Bon, les amis, on vient de renforcer nos liens, c'est parfait, et gagner des points. Je pense qu'on a de quoi de recruter un joueur. Et je pense que vous savez déjà qui je vais recruter. Paolo, je mise 500 balles. C'est quoi, j'ai juste envie de prendre un autre joueur pour que tu perdes 500 balles et que tu nous les donnes. Du coup, on va recruter un dernier joueur pour cette vidéo. Paolo, enfin, ce sera le dernier joueur de cette vidéo. Bon voilà, on a Paolo dans la team maintenant. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, à aller voir Utip aussi pour me financer. Ça m'aiderait beaucoup à financer la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Tous ceux, c'était Rem, j'espère que le live vous aura plu. Portez-vous bien les gars. A plus la team.